Bien, les astros, deuxième soirée donc d'observation avec la petite lunette SV501P qui m'a impressionné hier lorsque j'ai dessiné eh bien, M44. Aujourd'hui, plein sud, nous avons eh bien, Orion et la grande nébuleuse d'Orion. Donc aujourd'hui, on va pointer la nébuleuse d'Orion et puis on va faire un astrodessin. Hein, puisque l'astrodessin a ça d'assez génial, c'est qu'elle retranscrit fidèlement ce qu'un observateur va voir en visuel. Rien à voir avec l'astrophotographie qui, elle, va magnifier eh bien, le signal et va pouvoir révéler des zones qui ne sont pas visibles théoriquement par un observateur. Donc aujourd'hui, dessin avec la planchette feuille noire, la gomme mie-de-pain et puis deux crayons blancs. Alors voilà, on va viser quand même la grande nébuleuse d'Orion. Alors hop, je vais me mettre à genoux. Voilà. Alors elle est facile à viser, hein, cette nébuleuse. Alors je vais éteindre la petite lumière. Voilà. Normalement j'ai la lumière de derrière là, de la véranda qui brille. Voilà. Eh ben écoutez, hop, ça c'est de l'expérience où je ne m'y connais pas parce que je l'ai en plein dedans. Voilà. Bon, il faut savoir où chercher. Voilà. Bon, là ici, j'ai une belle nébulosité, une belle tache, et je vois le trapèze. Alors sur le trapèze, je ne vois que trois étoiles, et puis ensuite je vois la petite ceinture. Donc sur la petite ceinture, je vois les deux plus brillantes, et je sais qu'il y a la troisième derrière, donc en observant en vision décalée, je la vois de temps en temps clignoter, apparaître, disparaître. Et en vision décalée, quand je regarde effectivement à côté de la nébuleuse, hein, je la vois, je vois l'étendue de son panache de nébulosité. Donc c'est parti. Allez, hop, on va s'y mettre. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma lumière rouge pour éclairer ma feuille. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, hop, voilà. Ensuite, j'ai une petite ici. Voilà. J'en ai deux là en haut. Voilà. Alors, je vais assez vite parce que bah, finalement, le dessin est assez simple. Il n'y a pas trop de complexité puisque comme on est sur des grossissements assez faibles, on voit plutôt une vue d'ensemble, hein, de cette zone. Hein, on n'a pas trop de détails. Ou finalement, c'est assez agréable puisqu'on a un champ assez important. Ici, on a deux quand même. Hop, hop. On voit bien. Il n'y a pas beaucoup d'aberrations chromatiques. Franchement, c'est agréable. On va remettre, c'est en train de dévier. Voilà, de temps en temps, il faut donner un petit coup de. Un petit coup de. Pour remettre la nébuleuse au centre. Donc là, ici, je suis en train de chercher après les étoiles les plus faibles. Celles qui clignotent, qui scintillent,
et qu'on ne voit quasiment pas, ou très peu. Ouais, quand même. Hop. Et au fur et à mesure que je regarde, je vois apparaître des choses. Donc, bien prendre son temps. Franchement, il n'y a pratiquement pas d'aberration chromatique. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice ? Hein ? Attention, Maurice, attention. Hop, hop, hop. Tu vas me faire bouger un petit peu, s'il te plaît. Maurice ! Bon, Maurice, allez, hop. Voilà. Il y a Maurice qui vient se plaindre, je ne sais pas ce qu'il a. Hein ? Donc... Voilà... J'utilise une technique d'estompage qui est assez primaire. C'est une technique d'estompage que j'utilisais quand j'étais gamin. En fait, ce télescope, cette petite lunette, elle me donne envie de redevenir un débutant, en fait. Ouais, c'est le cas de le dire. Un débutant. Ouais, c'est génial. C'est extraordinaire. Je m'amuse comme un fou avec cette lunette. Maintenant que j'ai estompé, je vais refaire mes petites étoiles. Donc, hop. Les petites étoiles à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Écoutez, moi ça me semble parfait. Donc c'est un dessin assez rapide à faire, hein, finalement. Voilà ce que je vois. Attendez, hop, je vais essayer d'éclairer ça de façon à ce que vous puissiez voir les choses. Donc ça c'est en lumière rouge. Hein, donc la lumière rouge, c'est pas forcément génial pour la mise au point pour un téléphone. Voilà. Je sais pas, voilà. Je pense que là on voit quelque chose. Voilà, c'est génial. Donc cette petite lunette, je vais laisser passer le train, il y a encore un train qui passe. Là, c'est un train de voyageurs, ça va aller vite. Là, c'est un TGV, il est un peu plus long. Voilà, hop. Bon, et eh bien voilà, cette petite lunette m'a encore une fois démontré qu'un petit instrument vaut quelque chose. Ce n'est pas un jouet. Voilà. Donc quand je vais l'offrir à mon petit-fils, je sais que je vais lui offrir quelque chose de valable et de potable pour faire de l'astronomie. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être m'en acheter une aussi, parce que j'aurais dû en acheter deux. Voilà. Très impressionné. Franchement, très impressionné. Allez. Ciao, bye.